de pied ferme, au pied de leur vigne. Sur les hauteurs de Sainte-Foy-les-Lyons, ils étaient une petite centaine pour leur première vendange. Vous tassez surtout pas dans les bennes. Là, on va y broyer parce que ça va s'oxyder dans les bennes et il ne faut pas pour le vigneron. La première grappe d'une nouvelle aventure, comme ils l'espèrent. Deux ans après la plantation de 2700 pieds, la pose des tuteurs, les soins donnés à la vigne et des heures à la regarder pousser, voilà ces amateurs enthousiastes à l'assaut des rangs et des grappes. C'est convivial, c'est sympa, on retrouve plein de monde. On voit le travail d'antan, quoi, comment ils faisaient avant. Et parmi les fondateurs de l'association des Coteaux de Montret, Maurice, le dernier d'une longue lignée de vignerons fidésiens. Il y avait le grand-père, mon père, et puis j'ai pris la succession. Et ça fait 10 ans qu'en fin de compte, qu'il n'y a pas eu de vigne sur Sainte-Foy. Sa première récolte, elle est magnifique, elle est tout bien sucrée, avec le soleil qu'il y a eu au mois de septembre. L'association veut renouer avec un patrimoine historique. Au 19e siècle avant le phylloxéra, 70% des terres agricoles de la commune étaient des vignes. Ils ont choisi un cépage croisé de gamay et de vin suisse, le gamaret, pour mieux résister aux maladies. Et l'idée a vite gagné des dizaines d'autres passionnés, comme une épidémie. On a été même très agréablement surpris d'avoir autant d'adhérents, parce qu'on ne pensait pas, nous on l'avait fait au départ pour un petit peu entre amis, et qu'on s'aperçoit que beaucoup de gens sont très intéressés, s'y intéressent, viennent travailler énormément, participent au travail. Bon, on a un viticulteur qui nous donne un petit coup de main pour nous donner les conseils qu'on a besoin. Fin de la vendange, merci pour tous. Un verre de bourru et quelques amuse-gueules pour terminer. L'association voudrait maintenant transmettre son nouveau savoir-faire aux écoliers. En attendant, le raisin récolté va être vinifié à Glaizé, de quoi en tirer environ 1000 bouteilles.